sucré. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir, madame. Bonsoir, la seule heure. Je ne suis pas une dame, je suis la seule heure de tous les plus. Ok, bonsoir, la seule heure de tous les plus. Voilà. Bienvenue dans mon émission Gourmet Sucré. Merci, madame. Aujourd'hui, c'est une émission aujourd'hui qui fait parler beaucoup ceux qui ont des problèmes de cœur, ceux qui ont des problèmes d'amour. Parce que le Gourmet Sucré, c'est une émission que j'ai créée aujourd'hui. C'est pour nuire les gens. Ce n'est pas pour les séparer, pour les divorcer, non. Mais quand il y a une réalité, il faut qu'on en parle pour que les gens comprennent. Les gens trouvent dans la rue, surtout les femmes qui disent que je suis l'avocat des hommes. Effectivement, je suis l'avocat des hommes. Mais je ne suis pas l'avocate de dans les mensonges. J'ai choisi d'être avocat des hommes, je dis ce qui est vrai. Parce qu'aujourd'hui, elle a donné raison à son grand frère. Peut-être qu'il connaît bien sa soeur, il sait qui elle est. C'est pour ça qu'il ne voulait pas gâter votre amitié à cause d'elle. Bon. Aujourd'hui, quand elle est venue te montrer l'argent, c'était combien? Bon, c'était une somme de 150 000 francs. Mais il y a des mots qui parlent de 50 000 francs. Si elle a eu 150 000, c'est quand même pas mal. Mais je pense que c'est pas parce que tu es avec une personne qui a des soucis qu'on t'a expliqué. C'est pas menti pour lui, tu es allé prendre l'argent avec quelqu'un. Ouais. Ton problème, même si on te donne 10 milliards, il y a toujours un problème de 1 milliard 1000 francs. Hein. Mm-hmm. Le problème d'une personne sur la terre, ça finit jamais. Mm-hmm. Quand tu en as aujourd'hui, demain encore, tu ne sais pas ce qu'il va t'arriver. Nous, on vit dans la main de Dieu. C'est lui seul qui gère tout. Le problème peut être chaud, comment, mais après, ça va se glacer. Donc, à cause d'elle, tu as laissé une autre amie. Parce que bien, elle est la grande soeur. Ce n'est pas une jeune femme. C'est qu'il y a la grande soeur qui doit vous donner des conseils. Un ami. Mon ami à moi, c'est un garçon. C'est ça, il dit, j'ai dit, c'est ton ami. Mm-hmm. C'est pas sa soeur, c'est pas sa grande soeur qui est avec toi. C'est de ça que je parle. Mm-hmm. Il dit, c'est que ce n'est pas une petite fille. Mm-hmm. Si son petit frère est ton ami, mm-hmm. vous êtes ensemble, et puis toi, un coup, tu es tombée amoureuse d'elle. Et l'ami ne voulait pas. C'est tout ça qu'il évitait. Ouais. Parce qu'il connaît sa sœur. Pour ne pas gâter votre amitié, il a dit, il faut choisir une autre personne. Sinon, un frère ne peut pas s'imposer. Pourquoi on soit avec sa sœur? Mm-hmm. Le frère ne peut pas le dire. Surtout, c'est la grande sœur. Il n'a aucun droit de mettre sa bouche dessus. Parce que c'est l'amour de sa grande sœur. Mm-hmm. Mais il connaît sa sœur. Il sait comment elle vit. Il sait comment elle se comporte. Notre amitié, ce n'est pas pour aujourd'hui. On préfère vraiment vivre sans une sœur à côté. Tu peux prendre une autre personne, mais pas ma sœur. Tu n'écoutais pas. Maintenant, quand tu es allé au bout, quand il est venu te donner l'argent, ta réaction était comment? Qu'est-ce que tu as dit quand il t'a montré l'argent? Non, j'ai pas regardé l'argent même. Déjà, je cherchais une explication, qu'elle me donne une explication en fait. Parce que ce que je venais de voir, c'était tellement crédible, tellement concret. Quand elle est arrivée devant moi, elle me met la ticket, elle s'est arrêtée, puis elle m'a regardé. Donc moi, il y avait un regard en fait, entre elle et puis moi. Du coup, je lui ai demandé pourquoi, la première question que je lui ai posée, c'est pourquoi tu n'as plus décroché mes appels de 15h à 20h. Là, je suis devant ta porte, je te vois descendre d'une voiture. Donc, ça veut tout dire en fait. Donc, je lui ai demandé, donc directement quand je lui ai dit ça, elle m'a dit non, j'ai les sous, j'ai l'argent. Elle m'a dit, comme si elle faisait l'air de vouloir faire sortir, mais je ne lui ai pas laissé le temps en fait de faire sortir quoi que ce soit. J'ai dit non, je ne parle pas d'argent, non. C'est quoi? Explique-moi pourquoi tu n'as pas décroché mes appels en fait. Mais elle ne pouvait pas répondre. Et puis c'était devant son portail. Donc moi j'ai préféré partir. Elle essayait de m'appeler, crier mon nom, pleurnicher, mais je ne me suis pas arrêté, je suis parti. Ça fait déjà un point. Mmh. Parce que toi-même ça s'est passé devant toi. Bien sûr. Parce qu'on a signé un contrat en disant qu'on restait toujours à l'écoute. Ouais, ouais. Même si elle était avec le monsieur, quand même, elle devait quand même te dire que non, il a passé dans le téléphone, ce n'est pas vidéo, pour dire qu'on voit le film passer. Bien sûr. Donc on voit, elle a été un peu fautif. D'abord, si elle voulait te faire surprise, elle ne devait même pas t'en parler. D'accord. À ta grande surprise, elle a dit, ah chérie, elle pouvait finir ses courses pour te dire, voici comment ça se passe. Non. Mais comme elle a un comportement très sale, elle n'est pas respectueuse, elle ne sait pas ce qu'elle veut. C'est pour ça que Dieu l'a dévoilée. Parce que je ne sais pas pourquoi les gens tournent autour de la vérité. Vous êtes avec un homme, aujourd'hui je connais un monsieur, toujours sa femme à monnaie. Les monnaies de 2 000 francs, plein, pourtant elle ne vend pas. Hein. Il y a quand le monsieur va au travail, madame ça en fait son mogo pas en zone 4. Pendant 10 ans, elle faisait ça. Chaque fois, jusqu'à ce qu'on se remet, la dame, tantine Monet, toujours elle avait l'argent sur elle. Il n'y a pas un jour, je dis que cette dame n'a pas l'argent. Elle se tient. Et souvent, elle dit à son mari, c'est moi qui gère la porte. La maison, je dis, c'est moi, elle prend. Le monsieur, il s'est dit, oh, ben, gars, elle s'en se fait taper. Et chaque fois, c'est elle qui dit, non, ma maman était malade à Port-Beau, il l'envoyait à Vridi, il l'envoyait étant, madame calculait les leurs parce que le monsieur faisait la nuit. Donc, le jour, il ne fait pas la journée, elle a fait sa journée de baladade. Tu vois? Mais quand le monsieur l'a surpris un jour, il était dans le bus et puis il voit sa femme qui trace une voie, qui a un sac qui est en train de courir avec un foulard derrière une voiture. Il dit non, ça c'est pas vrai, c'est un rêve. Comment nous on habite jusqu'à Yopougon vers Ananire et ma femme va se trouver vers ici. Lui il travaille assis. Il descend du bus,
Du coup, il voit sa femme assise avec un homme qui soit en train de déjeuner. Il a arrêté comme ça et puis il dit son nom, c'est toi? Et c'est parce qu'il va dire, ah bon, d'accord. Le temps de se lever, elle appelle le monsieur. Il y a longtemps, il a arrêté un compte et il est parti. Ça a provoqué le divorce comme ça. Ils se sont séparés comme ça. Parce que je suis un débrouillard à la scie. Mais quand même, chaque fois, ma femme a l'argent plus que moi-même. Il y a maintenant, on vient faire ses one club. Quand il dit les femmes là, si vous ne changez pas, vous allez toujours traîner. Vivre avec deux personnes, dans le même sexe que vous avez en bas de vous, le sexe est sacré. C'est fait pour une seule personne. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Le gars aujourd'hui, il n'a pas écouté les gens, il a mis son cœur sur toi. Il a mis son cœur sur toi, il vit avec toi. Et c'est toi, tu le balances ici, tu le balances là, tu le balances ici. Il faut lui dire la vérité. Aujourd'hui, ton grand frère a eu raison. Parce qu'il te connaît, tu es l'aîné, il te connaît, il sait comment tu te comportes. Pour ne pas gâter les amitiés, je dis merci au grand frère. Ce n'est pas parce que tu es fâché qu'on sera avec ta soeur. Mais l'amitié chez toi, c'est de l'art. Ce n'est pas être la musique qu'on joue. Il y a des amis qui peuvent te grand servir par rapport à tes propres frères. Le frère, mais souvent, il n'a même pas ton temps. Même ton père, souvent, s'il va t'abandonner, il va t'abandonner. C'est à toi que tu es venu sur la terre. On est venu en détente, on est déjà né. C'est à toi quand même de créer ta vie. Il ne faut pas tendre la main à qui que ce soit. Personne ne peut aider quelqu'un sur la terre. Si tu vois quelqu'un qui a évolué, c'est lui, mais il s'est sauvé. Sinon, moi, je suis en train de l'aider. Tu l'as l'aider comment? Si lui aussi n'a pas le courage, ça ne peut pas partir. Donc, mes enfants, la jeunesse. Trouvez-moi tout ce que vous voulez. Mettez tous les gnaillements sur mon dos. Moi, je suis tout là-bas. Je n'ai rien à foutre. Mais si vous ne changez pas, tant que je serai à la télé, je vais toujours parler de vous. Pour que vous changiez un peu. Dans la journée, tu blagues ton mari comme ça. Je m'en vais chercher de l'argent parce que tu as un problème. Son problème, c'est pour toi. Tu vas finir. Et puis maintenant, tu viens la nuit, chérie. Excuse-moi. C'est le moment, il faut aller donner une avance. Il va plus t'aimer. Parce que là, il n'a pas eu le film. Mais tu lui montres réellement où on s'en te couiller pour aller prendre l'argent pour venir lui donner. Tu crois que lui, c'est un crochet? Lui, il ne coupe pas derrière une femme. L'amour qu'elle a là, quand l'homme veut, là, même que tu sois quoi, quand il t'aime, même que tu sois même sa maman, tu sois âgé, même que sa mère, que tu es vieille, il va te prendre. J'ai un cousin, il a 22 ans, un jeune, 34 ans, mais sa femme, elle a plus de 40 ans. On lui demande, il dit, ça ne vous regarde pas, que lui, il est fatigué, il est petit coup. Il vient, il est Agboro maintenant, il est avec elle. Donc la vie, on l'appelle Agboro. Il est avec Agboro. Agboro n'a pas de problème. Mais son mari, tu le vois même, on dirait, il est responsable, il est vraiment bien. Donc l'amour, il n'y a pas de choix pour dire, là, il a 10 ans, il a 20 ans. Toi, ton âge et lui, vous êtes même chose. Mais il ne faut pas chercher à le créer des problèmes parce qu'aujourd'hui, il n'a pas écouté c'est ton grand frère et ton petit frère. Il va dans la famille, mais ton frère qui sort tout le temps, les deux parents, ils ne sortent pas. Lui, il sait qui tu es. Tu es une grande soeur, il ne va pas te dire tu te réveilles comme il est sur sa grande soeur. Mais le caractère, là, si tu n'arrêtes pas, tu vas gagner une maladie dedans. Abidjan, les gens prennent plus capote. Ceux qui sont malades, là, ils font en direct. On dit, banane, on ne mange pas à la peau. Ils vont te montrer couleur. Il faut arrêter de blaguer les gens, les mentir seulement pour aller prendre de l'argent, pour venir aider l'autre. C'est pas l'amour ça, ça c'est la prostitution. Donc la jeunesse. Maintenant après ça, tu as pu expliquer à son... Parce que tu ne peux pas expliquer à son petit frère. Non, je n'ai jamais expliqué. J'ai juste coupé les liens. Parce que déjà à la base, c'est que moi je ne lui avais pas demandé de l'argent en fait. C'est comme si... Elle non, on a expliqué un problème à quelqu'un, oui, n'est pas de que tu as demandé. Voilà, je ne vais rien demander du tout. Je vais expliquer juste qu'il y avait un souci. J'ai comme eu l'impression après que... En fait, c'était un truc qu'elle faisait depuis, mais qu'elle cachait si bien. Et c'est comme s'il y avait une coïncidence d'un rendez-vous qu'elle avait. Et puis, il fallait qu'elle parte jouer son truc, prendre son argent, comme d'habitude, quoi. Mais seulement que là, le scénario a changé. Et puis, moi, je me suis déplacé. Sinon, je pense que si je n'étais pas allé chez elle à la maison... Elle allait me dire que non, elle est partie, elle est vite rentrée. Mm-hmm. Son papa a fait ci, son papa l'a envoyé. Puisqu'il y a eu plein de scénarios comme ça, mais bon, puisque moi je ne suis pas allé à la maison pour savoir. Donc moi j'ai toujours cru. C'est après que j'ai vu son vrai visage. Puis bon, après j'ai décidé de. Ça n'a pas été facile de mettre une distance entre elle et puis moi. Parce que comme j'ai dit là, quand tu es dans une relation vraie, quand tu es vraiment amoureux de quelqu'un, c'est difficile de se détacher de cette personne aussi facilement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle ne m'avait pas dit « oui, j'ai couché avec le gars ». Elle me demandait toujours pardon. Elle essayait toujours de tourner, me dire, sans me dire la vérité. Donc, moi, l'aimant toujours. C'est vrai, je suis déçu, mais je l'aime encore. Mmh. Donc, quand je rentre chez moi, je divague, je bois, je noie ma peine. Mais après, je vois quand je suis couché, je pense à elle, elle me manque. C'est ça le gourmet, en fait. Tu vois, c'est ça, tu penses encore à la fille. Oui, mais je suis d'accord, parce que quand on aime... Bah voilà. Quand on se sépare comme ça, c'est pas bien. Mais ça sert à rien de te mettre dans l'alcool. Tu peux, pour une femme, tu vas pas ça, te détruire. Non, j'explique ce que j'ai fait. Sinon, oui, c'est mais pas, ça, c'est normal. Pas... C'est comme un témoin que tu es en train de faire une église. Je suis d'accord. Ouais. Mais l'amour, il y a toujours un haut, il y a toujours bas.
L'autre peut te trahir. Aujourd'hui, ça peut te positionner. Prochainement, comment il faut aller avec une personne? Parce que toi, tu allais avec elle sincèrement dans l'amour sincère. Tu l'aimais sincèrement. Donc, c'est elle maintenant qui a été la première personne. Parce que les femmes, elles aiment beaucoup. Disent, quand j'ai galéré avec mon gars, j'ai souffert lui. Aujourd'hui, il a vu une autre personne. Pourtant, elles ont un caractère sale. Les femmes ne sont pas responsables. Les femmes, là, vous, là, nous, là, on ne sait même pas où on s'en va. Donc, ouais. Après, étant à la maison, quand j'ai fini, j'ai essayé de noyer tout ça, mais je n'ai pas pu. Donc, je l'ai rappelé. Puisque, bon, elle essayait toujours de m'appeler. Je l'ai bloqué un moment. Au bout d'une semaine, deux semaines, je l'ai débloqué et puis je l'ai appelé. Je lui ai demandé de venir chez moi à la maison. Voilà, tu as bien fait. Elle est venue à la maison. Qu'elle est venue à la maison, elle a fait la cuisine et tout. Qu'elle a fini de cuisiner, on a mangé. Et après, je lui ai demandé. Je lui ai dit, ah, franchement. Dis-moi la vérité. Dis-moi franchement ce qui s'est passé. Écoute, déjà, moi, je t'ai expliqué un problème. Je t'ai pas expliqué mon problème. Du genre, on est ensemble. Souvent, tu m'expliques des trucs qui se passent à la maison. Moi, je t'ai expliqué un truc dans lequel j'étais. Je t'ai dit, bon, moi, je vais régler mon truc. Toi, tu as décidé d'aller voir quelqu'un. J'ai dit, non, moi, je gère mon truc. Je sais pas dans quel coup même tu me dis, tu es en route, hein, tu t'en vas gérer le truc. J'ai dit, mais quel truc, de quel truc tu parles? Bon, bref, il y a eu tout ça. Mais moi, déjà, je veux que tu me dises la vérité. Je veux que la vérité sorte de ta bouche. C'est vrai, tu peux considérer ça comme un sacrifice. Tu voulais faire un truc pour moi. Mais moi, là, au moins, faut que mon cœur soit au moins un peu soulagé quelque part. Donc dis-moi la vérité, parce que moi, je sais que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, faut l'avouer, et puis je peux te pardonner, puis c'est tout. C'est là qu'elle m'a versé la vérité sur le plateau. Qu'elle a sauté avec le monsieur. Qu'elle a couché avec le monsieur et tout. Donc voilà, elle m'a donné plusieurs détails qui n'ont pas été déjà importants, puisque le fait qu'elle m'ait dit déjà qu'elle m'ait trompé avec le gars, moi j'ai plus... Ça a créé un choc en fait. C'est vrai, je voulais entendre la vérité, mais c'était encore plus choquant de l'entendre de sa bouche. Mais au moins là, au moins chacun de vous est libéré. Ouais, bon, oui, mais ça n'a pas suffi aussi. La partie où, moi je l'aimais toujours, hein, je l'aimais toujours. Après, là, tu l'aimes toujours? Non, je l'aime plus, ça c'est mort ça. Moi je ne crois pas à ça parce que moi aussi j'ai eu l'amour, j'étais jeune aussi, tout le monde a connu l'amour. Non, hein. Je l'aime plus. Parce que je sais qu'aujourd'hui, si vous êtes à deux, tu l'aimes toujours. Parce que quand on n'aime plus une femme, on ne parle plus d'elle. Mais quand on n'aime plus une personne, on ne parle plus de la personne. Parce que si tu es heureuse avec tout ce monde en... La télévision, ils voient TV, ce n'est pas une télé seulement qui reste à Yopougon. C'est une télévision pour le monde entier. Mmh. Et tous ceux, il y a des gens qui m'appellent des États-Unis que je ne connais même pas. Il y a un monsieur qui l'a dit, à Londres, alors, mais c'est vous là, c'est l'ordre du cavalier là. Tous les plaisirs, il dit oui, c'est moi, monsieur, vous. Il dit non, moi je suis à Londres ici, mais vraiment, tes émissions, vraiment un jour tu vas arriver chez nous. Nous, c'est. En tout cas, avec la télévision, beaucoup d'hommes sont connus aujourd'hui. Parce qu'à la télévision, souvent, il y a beaucoup qui ne sortent pas. Mmh. Mais eux, c'est pour le monde entier. Et ça a été la première télévision privée en Côte d'Ivoire. Donc, il faut te dire ce que tu entends de dire. Moi, la seule lors de tout le pleu, je sais en âme conscient, tu l'aimes encore. Parce qu'aujourd'hui, c'est parce que tu dis que bon, le passé est agité. Parce que si tu ne l'aimes plus, tu ne vas même plus en parler, mon fils. C'est vrai, quand on n'aime plus une personne, c'est comme moi. Moi, j'ai une décision. J'ai une décision vraiment qui n'est pas bien. C'est pour ça que souvent je dis à Dieu, parce que quand moi je te dis je ne veux plus de toi, tu vas beau monter, descendre, tu ne m'intéresses plus. Je t'ai effacé, j'ai changé la page. On va beau faire ensemble, je ne vais pas jouer le jeu. Mais quand je t'aime, à chaque fois je te pardonne. Mais je peux te pardonner jusqu'à 10 fois, mais 15e fois ton pardon est fini, ça ne sort plus. Là aujourd'hui on peut tout faire parce que l'émission, ce n'est pas une émission où les gens peuvent... j'invite pas mes gens ici pour qu'on divorce. Je les invite pour qu'on soit réunis, pour qu'ils soient quand même ensemble. Il n'y a rien de tel quand tu es marié, quand tu as un ami quelque part. C'est le diable qui l'a trahi. Parce que quand tu veux écouter le diable, tu seras toujours nuit. Parce que Dieu, il a un seul cœur. Il a dit, écoutez vos cœurs. Quand il fait la main comme ça, il dit, on n'a qu'à écouter notre cœur. Mais si tu veux écouter à gauche, les Mugupa, elle va faire là. Demain, là, ses parents, ça ou pas, ce qu'elle a, c'est soit des gens voient à la maison. C'est toi, ils vont appeler. Voilà, ta copine est malade, on ne la voit pas. Alors qu'elle sait ce qui se passe entre vous. Mais tu es obligé de respecter les parents qui sont à la maison, aller jouer le jeu, la soutenir, mais au fond de ton cœur, elle t'a blessé quelque part. Donc il faut éviter tout ça. Dis que tu tournes de page, il faut reprendre avec elle. Bon, d'accord, maman. Bon, au fait, là, ce n'est pas encore l'intrigue de l'histoire. Hein. La partie intrigante de l'histoire, ça vient. Ce jour-là, étant à la maison, quand on a fini, elle voulait des rapports, j'ai refusé, je n'ai pas voulu, j'étais un peu. Vraiment choqué. Tu pensais toujours au film là. Voilà, donc après je l'ai raccompagnée, elle est partie chez elle. On discutait, on parlait souvent même 22h, 23h au téléphone. Maintenant, on avait une amie en commun. Une amie. Donc vous, votre groupe, c'est les amitiés seulement. Non, on avait une amie en commun. Genre, elle connaissait des amis que j'avais, je connaissais des amis qu'elle avait. Donc
L'ami m'appelle, elle me dit de venir chez elle. Donc, il n'y a pas de souci. C'est moi-même qui l'ai présenté à la fille. Donc, je vais chez la fille, je trouve la gourelle est là. Donc, mon ami là, elle me dit que ah, ta chérie est venue pour que je lui montre où on va faire médicaments pour, je ne sais pas, cadena, pour que vous soyez ensemble à vie. Qui est venu te dire ça? Moi, ma chérie là, mon ex là, elle est partie voir ma camarade pour lui dire qu'elle lui montrer un coin, on peut faire cadena pour aller faire un médicament. Ta camarade que tu as laissé là? Non, la fille que j'ai laissée là, elle est allée voir une amie qu'on a en commun. Ah, ouais, ouais. Pour lui dire qu'elle lui montrer où on peut faire un médicament de cadena pour rendre ça spirituel en fait. Du genre, elle ne peut pas supporter de me quitter. Elle a l'impression que je vais la quitter. Donc elle m'a dit ça, ça m'a choqué. J'étais là encore, c'est là en fait que j'ai commencé à. Elle a commencé à m'énerver en fait. Donc je lui dis, attends. Parce que mon amie, elle a dit, moi je te connais il y a longtemps, c'est toi qui as fait qu'on se connaît, on se parle bien aujourd'hui. Moi, elle est venue me dire ça, on ne sait jamais. Si elle était passée par quelqu'un d'autre qui lui montrait peut-être un truc allait t'arriver, tu allais dans un truc où on t'a bassé, tu sais pas. Donc moi j'ai préféré t'appeler. Elle était là, c'était devant elle pour te dire ça, devant elle. Elle savait même pas que tu venais. Elle savait pas que tu venais. Là, tu es arrivé, moi je t'ai dit en même temps. Et puis elle a dit son nom, elle a dit, ah, ce que tu viens de me dire, franchement moi je n'ai pas supporté parce que c'est mon ami, on se connaît il y a longtemps, il y a des choses on ne fait pas. Donc là, elle a commencé à pleurer encore, me demander pardon, qu'elle ne sait pas comment elle va faire, que oui, elle veut qu'on soit ensemble pour toujours et tout et tout. J'ai dit, donc toi, si tu étais allé voir quelqu'un qui t'avait dit, prends mon cheveu ou bien prends un de mes vêtements, je ne sais pas, pour pouvoir m'attacher, toi, tu allais chercher à avoir une approche avec moi pour pouvoir faire sortir tout ça. C'est à partir de là, encore, c'est pour la deuxième fois que j'ai été le plus choqué, en fait, dans l'histoire. Et à partir de là, quand on est sorti là, moi, j'ai commencé à me méfier de la fille, j'ai coupé tous les contacts avec elle, j'ai coupé tous les contacts. Je ne voulais plus lui parler, je ne voulais plus la voir, je ne voulais plus rien faire avec elle en fait. C'est dans cette optique-là que je me suis superbement éloigné d'elle jusqu'à ce que je la rencontre un jour comme ça au plateau. Et puis bon, voilà, on avait discuté comme s'il n'y avait rien, comme si de rien. C'est ce que je dis à la femme souvent. Pour aimer un homme, on n'a pas besoin d'aller voir un marabout. Quel cadenas? Franchement. Si elle avait les cadenas, elle n'avait plus besoin de cadenas. Elle en a plein sur le marché. Ouais. L'amour n'a pas besoin de tout ça. L'amour, c'est de là, c'est naturel. Si. Parce que quand c'est naturel, chacun de vous, quand vous laissez, vous, tu as envie de tout l'encourager. Mais quand les médicaments sont dedans, moi, je pense que les médicaments, ça, c'est des plaisantins. Ça n'existe même pas. Elle ne t'a pas mis au monde. Ouais. Tu n'es pas enfant de son père ni de sa mère. L'amour, on se croise, on va se mouler. Il y a besoin d'attacher quelqu'un dans le cadenas. Mais là, quand tu attaches les autres là pour les mettre dans le cadenas, pas forcément toi. Ou bien toi, mais tu les moules comme un mec. Puis quand tu les laisses, ils vont chercher le cadenas. C'est une question, ça. Mais c'est une question. Bah, je sais pas trop. Peut-être je suis bon, peut-être je sais pas trop. Non, mais par exemple, c'est quand quelqu'un te moque bien que quand il te lève, il t'envoie les gens pour qu'ils reviennent. Moi, je suis pas bien placé pour répondre à ça. Peut-être c'est elle qui est bien placée. Ah non, mais toi-même, tu sais comment tu moques tes gros. Elle, quand elle sera là aussi, un jour, je vais lui dire comment le monsieur t'a moque aussi. Bon, non, la manière que tu l'es, si tu ne les mouques pas bien, là, n'allait pas venir quand même vers toi. Oui, c'est vrai. C'est que je fais ça bien alors. Ah. Comme il vous moque bien, c'est même pas une histoire de. D'aller voir Marabout pour aller faire les cadenas. Mougoussion, on en apprend. Si lui, il est déjà doué, il est déjà dans le Mougoussion, j'espère que demandez-lui où tu es passé, puis tu nous mougous bien. Parce que le cuivant, ce n'est pas tout le monde qui couille. Tous les hommes, vous voyez, dehors là, ce n'est pas tous ceux qui font bien mougouement. Mon fils, lui, au moins, il a confiance à ça. Que vous mougous bien, quittez dans Maraboutage. C'est mieux qu'on discute à far, qu'on se cause, qu'on se donne des idées. Est-ce que tu as vu? Sinon, si un homme ne te mougou pas, tu ne peux pas aller voir quelqu'un. Il faut le mettre dans le cadenas. Vous mettez les gens dans le cadenas jusqu'à cadenas même est rempli. On est fatigué de vos histoires. Je vais aller le basser. Je vais lui faire ça. Ça, c'est un faux problème. On a à vous dire la jeunesse. Il faut aimer ton homme naturellement. Quitter dans le fait de Yipia. Il y en a qui vont mettre dans les cesses. Le cesse, ça, tu n'as pas fait de radio. Le médicament, tu vas mettre là-bas, tu ne fais pas radio. Quand il va rentrer, il ne va plus sortir. Il y en a qui sont cherchés dans des caïmans. S'il rentre en même temps, son truc se bloque. Mais si c'est bloqué, il va appuyer comme encore pour venir t'enjailler. Vos médicaments là, le médicament de la vie là, ça n'existe pas. Vous suivez le diable, suivez Jésus, le créateur qui nous a mis sur la terre. Il est le roi des rois. Parce que c'est Jésus seul qui nous a fabriqué. On ne sait pas où le sang sort, on ne sait pas où pipi sort dans nos corps, on ne sait pas où nos parents sortent. Donc chaque matin, on doit franchir les genoux, dire merci à Jésus, dire merci à mon Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous. Ce n'est pas pour vous être des belles filles dans la rue comme ça, vous n'avez pas gare. Tu les vois, mais toi, même femme, tu ne l'as pas dit, tiens, la femme, elle est jolie, oh. Mais tu as fouillé, rien derrière. Souvent, elle dort dans le salon des gens.
Les salonnières, là, c'est elles, les plus dangereuses, les proches, parce qu'elles ne payent pas l'eau, elles ne payent pas maison, elles ne payent rien, c'est les grandes. Et puis, c'est elles qui sont impolies. Sinon, quelqu'un qui doit payer sa maison, qui doit payer les cités, l'eau, il n'a pas le droit de discuter avec quelqu'un. Il entend et voit, quand le mois a fini, comment je vais gérer ma maison, comment je vais gérer ma vie. Le jeune, son mougoussin est dangereux. C'est pour ça, quand il vous dit mougou là, c'est de ça que vous parlez. Aujourd'hui, là, vous êtes paniqué. Vous qui mougoussez les gens là, c'est victoire pour vous. On vous donne le courage de les mougou. Elles s'en vont là. Prochainement, quand vous prenez vos queues là, ça peut les rendre folles. Parce qu'elles ne gagnent pas quelques mougou comme ça. Donc, et après ça, vous êtes assise encore. Parce que quand ton cœur a été froid un peu, tu l'as appelé à la maison. Mm-hmm. Et puis elle a préparé. Mm-hmm. Bon, le temps que tu l'as appelé à la maison, j'espère que c'est un temps déjà qui a été déjà pardonné. Si tu l'as laissé à te faire même à manger, si tu as déjà pardonné. Je ne te connais pas, mais j'espère que tu pardonnes beaucoup vite. Oui. Donc, toujours le pardon, tu demandes, nous tous on te demande ce pardon, que tu reprennes avec elle en bon cœur. J'espère aujourd'hui elle a compris que ce qu'elle t'a fait, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. On ne peut pas jouer à ce coup. Elle peut aller couiller, puis elle vient et te dit, bon, chérie, toi, tu ne connais pas son passage. Voilà, comme tu avais un petit souci, je sais que toi, tu ne coupes pas derrière l'argent. Non, parce que là, d'une fois, ne t'effraie pas. C'est toi, toujours, tu veux toujours lui faire surprise. Mais quand on vit à deux, ah, chérie, j'ai eu tel problème. Hein. On peut causer des ennuis, pas dire, ma femme va te prostituer pour me donner l'argent. Donc, un truc là, vraiment, je vais t'attendre le avant-dernier mot. Qu'est-ce qui t'a marqué encore pour qu'aujourd'hui tu puisses quand même pardonner? Bon, mon dernier mot, ça serait peut-être un message que j'aurais à dire à certaines femmes en fait. Comme vous avez tout dit, dans tout ce que vous avez dit, l'amour c'est quelque chose de naturel. Faut pas forcer les choses, faut pas forcer l'amour. Et même si votre conjoint a quelques soucis, sachez qu'il a aussi sa dignité. S'il a été toujours présent pour vous, s'il a vaqué à toutes ses occupations, s'il a eu à respecter, à prendre ses responsabilités, c'est parce qu'il était vraiment engagé, c'est parce qu'il y avait vraiment l'amour. Donc, il y a quelque chose que l'homme ne supporte pas, c'est même pas la tromperie même, c'est le déshonneur en fait. Ta femme peut te tromper, tu sais qu'elle te trompe, d'accord, mais tu sais pas. Tu lui dis, c'est le jour où je vais voir, je vais croire. C'est ça. Mais quand elle te déshonore, c'est encore plus dangereux. Mm-hmm. C'est ça en fait. Donc ce que j'aimerais demander à la femme, c'est de respecter la valeur de l'homme. L'homme qui fait des sacrifices pour être avec elle. C'est un peu ça mon message. D'accord. On vous a déjà dit, vous avez compris vraiment en direct. Hein, parce que chez nous ici, c'est ce qu'on ne peut pas dire dans les couloirs. Chez nous ici, on dit en direct. On vous a déjà parlé. Si vous vivez avec quelqu'un, dès le départ, il faut chercher à le connaître. Parce que quand tu connais ton homme, il n'y a rien de tel. Il y a des hommes aujourd'hui qui construisent même maison de leur belle-mère. Pourtant, lui-même, son propre. Ta propre mère n'a pas de maison. Mais quand l'homme aime, il peut mettre toute sa vie en jeu. Même quand l'homme t'aime, il peut même laver ton slip. Tes dossiers, le monsieur peut laver. Laver même tes assiettes. Parce que l'amour, c'est une folie. Mm-hmm. Quand on aime, il n'y a rien de tel. Mais quand c'est pour aller le travailler, il faut travailler un enfant que tu as mis au monde. Même la mère ne peut pas travailler son fils. Tu l'as mis au monde, mais tu n'as pas son âme en main. Hein. Mm-hmm. C'est Dieu qui a amené, c'est Dieu qui ramène. Aller prendre les gens. C'est pour ça que vous croyez au marabout. Moi, le marabout n'existe pas. Pareil, le marabout, il adore quand on parle de lui, il veut devenir célèbre aussi, comme Jésus. Mais le marabout n'a même pas de pouvoir. La lumière ne le prend pas. Ils vont faire sa publicité comment? Parce qu'avec Jésus, dès qu'on allume, la maison devient tout blanc. Mm-hmm. Mais avec le diable que vous écoutez, vous tapez de gauche à droite là. J'espère que ce n'est pas bon. Écoute ton homme. Quand vous avez galéré, l'homme ne peut pas voir l'argent là, au dehors, puis n'est pas rentré à la maison. Sinon, les hommes qui font ça, qui gagnent, puis qui rentrent au dehors, c'est un homme lâche. Sinon, celui qui sait qu'il vit à un enfant, il entend même manger un bon plat. Il dit, s'il vous plaît, on peut faire emporter ça qu'il va aussi donner à sa chérie qu'il aime. Mais vous êtes là, quand il gagne 1000 francs, il te met à l'aise. Aujourd'hui, tu entends jouer, il a un peu peur. Pour ne pas qu'il entend, il te mourre et puis tu vas appeler quelqu'un venir l'agresser. Donc, si tu es sûr que tu es revenu sans bavardage, sans tromperie encore, il va toujours te tenter. Mais après son départ, tu n'es pas marié. Pas encore marié, mais en couple. Elle, tu l'as déjà vue, non? Oui. Tu l'as connue déjà, puis tu l'as envoyée à la maison directement? Qui ça? L'autre, mon ex? La deuxième, là. La prochaine, ouais, la prochaine, ça va, on est... Ça fait un moment qu'on se connaît, donc on apprend toujours à se connaître. Puisque, c'est... Bon, moi, j'ai pas tendance à... Trop me mettre dans les relations insignifiantes, en fait. Je me projette toujours dans l'avenir. Donc, c'est pour ça que j'ai peur aussi de trop
aller vite. Donc, je prends mon temps de bien connaître la personne, de savoir si je peux faire confiance et puis de savoir si on peut aller de l'avant. Parce que moi, je trouve qu'aller à gauche, à droite, c'est un peu une perte de temps, en fait. Ça fatigue avec le boulot, avec tout ce qu'il y a, on se cherche. Avoir plusieurs meufs, c'est un peu fatigant. Donc, je prends mon temps déjà. Déjà, j'ai mis du temps, même avant. Après, j'ai mis du temps, hein. J'ai mis beaucoup de temps. Combien de temps comme ça? Des années, hein, 2 à 3 ans. Pour croiser la nouvelle. Pour croiser, voilà, pour croiser une autre. C'était un peu compliqué. Donc, quand je l'ai croisé, donc on est toujours en cheminement, quoi. Bon, ça. D'accord, mais je pense que de se mettre toujours à changer la femme, c'est bien pour elle qui vient d'arriver aussi. Tu ne connais pas son comportement. Ouais, je ne connais pas, ouais. Tu ne sais pas qui elle est. Ouais. C'est. Tout début est beau, hein? Elle peut te dire, elle est bien, mais bien sûr. Pareil, pour mieux connaître une femme, il faut avoir 100 ans pour mieux la connaître. Si. Parce que femme a un comportement double face. Ouais. Femme est comme caméléon, hein? Mm-hmm. Parce qu'au départ, il faut qu'elle se laisse aller pour qu'elle soit installée quelque part. Mm-hmm. Mais avec le temps, tu verras que celle que j'ai fait rentrer aujourd'hui chez moi, le comportement qu'elle si elle faisait comme ça dehors, tu n'avais pas la faire rentrer. Mm-hmm. J'ai dit adieu à toutes les femmes. Chaque femme qui a un caractère sale, il faut écrire sur ton dos. On doit appeler attention louée. C'est-à-dire quand on parle d'intention, ça veut dire que si tu l'apprends, tu as tous les problèmes. Ouais. Donc, dites votre caractère. Ah, moi, vraiment, c'est comme ça. Et donc, il m'a appelé, elle dit, moi, je ne me marie plus. Parce que quand je prends un homme, demain, on se laisse. Elle dit, tu fais quoi? Elle dit, moi, un homme ne me suffit pas. J'aime sortir avec tout le monde pour prouver à mon homme que vraiment, moi, je suis forte. Je lui ai dit, mais ça, c'est la sorcellerie que tu pratiques. C'est quelle concurrence tu fais avec le monsieur? Ou tu l'aimes, ou tu l'aimes plus, tu sors de sa maison. Mm-hmm. Parce qu'il ne faut pas être avec quelqu'un, puis tu lui donnes chaud au cœur. Ouais. C'est pas bien. Donc vraiment, je te dis beaucoup merci.